J'ai beaucoup aimé. Le concert était trop bien. J'ai envie de faire le même pareil. C'était trop bien. On dirait qu'on était des stars. Oralila, ah, ah. Très émouvant. Le concert était mortel. Je veux revenir à jeudi. En tant que musicienne intervenante, je suis vraiment ravie d'avoir fait participer les enfants. Et je pense qu'ils ont donné un très très beau spectacle. Et voilà, les parents sont contents parce qu'ils sont venus nombreux. Et bon, bah, je pense que c'est formidable. J'interviens chaque semaine dans les classes, à raison d'une heure par semaine. Et puis je les fais travailler, enfin je fais principalement le chant. C'est pas de l'animation, c'est vraiment du chant choral. Ils en avaient pratiquement jamais fait. Et donc au début, c'est un des frichages, voilà. Et ensuite, ils sont vraiment ravis, quoi. Ils sont contents du résultat une fois que le spectacle a lieu. Voilà, ils s'attendent pas du tout à quelque chose d'aussi grand. Et puis le fait de faire intervenir des musiciens professionnels, les faire venir de leur pays d'origine, parce que Radjer, il habite quand même à Madagascar. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de géant et on leur offre vraiment quelque chose de très, très, très beau. Je pense que c'est toujours le final qui est magique, surtout quand le spectacle a été beau, parce que la tension se lâche et... J'ai pris beaucoup de plaisir à diriger ce chœur, les élèves étaient très, très enthousiastes, je pense. Le public m'a étonnée aussi, belle énergie, je pense, de toute la salle, donc je suis vraiment très satisfaite. La journée s'était bien passée, monsieur. C'était bien passé. C'est magnifique. Le spectacle, c'est magnifique, magnifique. Un concert en live comme ça, là, c'est vraiment rare de pouvoir y participer sur invitation, surtout avec les écoles. Et pour les enfants, c'est un apprentissage, une découverte. Donc franchement, les initiatives en ce sens sont à soutenir.